Bonjour à tous et bienvenue à vous les béliers. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour cet horoscope qui va être réalisé avec le tarot renard. Voilà, c'est un jeu que j'ai créé. Envolée sauvage, le premier jeu édité par Wild. Et puis j'avais envie de mettre de la couleur dans ce tirage qui est déjà très très coloré, vous voyez, avec les illustrations d'Eva. Et je me suis dit que le petit oracle des couleurs irait très très bien pour savoir un petit peu quelle ambiance, quel thème, quelle couleur pourrait aller le mieux avec l'ensemble du mois qui va arriver pour vous les béliers. Voilà, donc je vous mets la référence de ces jeux juste en dessous en barre d'infos, puis on va commencer tout de suite. Je pense qu'on va commencer par tirer une petite carte de l'oracle des couleurs, justement. Alors allons-y. Le rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. C'est pas facile le pardon, c'est quelque chose de très difficile. Autant de se pardonner à soi, des fois c'est même plus difficile de se pardonner à soi parce qu'il faut accepter nos propres faiblesses, que de pardonner aux autres. Et souvent d'ailleurs on voit que ce qu'on a du mal à pardonner chez les autres, soit est dû à une blessure vraiment très profonde, soit, et c'est vraiment une distinction que je fais entre les deux, soit ça c'est parce que ça fait écho à une part de nous, qu'on a du mal aussi à accepter chez nous. Voilà, donc on a un peu ce double niveau de lecture par rapport au pardon. Et ici, c'est un bon mois pour vous pour travailler sur ce thème du pardon, pour voir où vous pouvez vous apaiser, vous, sur des choses qui sont en vous et que vous avez du mal à pardonner. Et en même temps à essayer de travailler aussi sur votre relation à l'autre et voir aussi comment et où vous pouvez apporter votre pardon envers des personnes qui vous ont blessé ou des actions, des actes qui vous ont blessé. Alors, rose bonbon, je vais te mettre ici. Je vais choisir une carte du petit oracle, de l'oracle envolée sauvage, pardon. Et on la lira à la fin parce que c'est un jeu qui termine très bien un tirage. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, je vais la mettre sur le côté et puis on la lira tout à l'heure. On va commencer par le tirage plutôt avec le tarot renard. Pour le thème général. Alors, le thème général, on a le roi d'épée. On a le roi d'épée, donc on voit pour ce mois-ci qu'il y a des problématiques qui vont être très liées à la pensée, des choses qui vous trottent dans la tête, beaucoup d'introspection également. On a cette idée vraiment d'arriver en fait à maîtriser sa pensée. Et on va voir un petit peu ce qui en découle. Alors, on a donc deux cartes de cour et on a un set de pentacles, un set... Ah, on a beaucoup de sets, c'est intéressant. On a un set de pentacles, un set de bâtons, un page. Donc, on a ce côté aussi rêveur, inexpérience. Vous êtes en train, en fait, de ressentir des émotions qui sont un petit peu nouvelles pour vous. Vous ne savez pas encore trop quoi en faire, comment en faire. D'ailleurs, le roi d'épée ici, c'est lui qui est ici, qui toque à votre esprit et qui vous dit « Bon, je ressens ça, qu'est-ce que je veux en faire ?» Au lieu de vivre l'expérience, en fait. Donc là, vous voudriez la cadrer. Cette émotion, la comprendre tout de suite. Et on vous invite d'abord à l'expérimenter. Vraiment à prendre ce temps, en fait, pour d'abord la vivre avec son corps avant d'essayer de la vivre avec sa tête et de comprendre d'où elle vient.
On vous invite aussi à voir tout le parcours que vous avez fait, pardon, tout ce que vous avez réussi à créer, de vous voir en fait dans votre réussite ici avec le 7 de denier. Il y a plein d'actions que vous avez mis en place qui ont commencé à donner leurs fruits et en fait vous êtes dans une sorte d'embranchement pendant ce mois-ci, à savoir qu'est-ce que vous allez faire après pour la suite, comment vous allez vous orienter. On vous dit que c'est peut-être pas le bon moment pour l'instant de prendre une décision, mais au contraire de simplement y réfléchir, donc de pas être dans cette action, cette action d'après le 7 de denier, mais vraiment de vivre cette étape comme une étape où on se pose, on observe, on intègre et on réfléchit simplement à la suite. Donc ne vous précipitez pas dans des actions, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de les comprendre, de les intégrer aussi, de voir qu'est-ce que cela vous apporte comme sensation, comme émotion aussi dans votre corps, de voir le chemin que vous avez parcouru, de vous féliciter aussi pour vos réussites, et puis aussi, pourquoi pas, de célébrer vos réussites. Prenez le temps aussi pour vous féliciter et puis vous dire bah, bravo, et puis bah, là je vais me faire plaisir pour marquer le coup en fait de tout ce que j'ai fait déjà, du travail accompli et puis de ce que j'ai réussi à faire. Après le 7 de bâton aussi, ici, je vous le montre d'un petit peu plus près, vous voyez qu'on a un renard avec derrière un champ de blé. Et ici, des oiseaux qui viendraient picorer, voudraient picorer ces petits champs de blé. Donc on a cette idée ici de rester sur vos gardes. Tout n'est pas encore joué, tout n'est pas encore bien défini. Et ça peut évoluer autant dans un sens positif que négatif. Mais ça n'évoluera pas dans un sens négatif si vous prenez vraiment en compte cette idée que tout peut encore arriver. C'est comme une action préventive en fait, on vous dit de faire attention, de rester vigilant, de rester vigilante à tout ce qui vous tient à cœur en fait dans votre vie, de porter de l'attention à tout ce qui vous tient à cœur pour pouvoir le protéger en cas de nécessité. Cet état de vigilance vous empêchera de commettre des erreurs ou de laisser les choses un petit peu se déliter. Vous voyez, lorsqu'on se dit « oh ben je le ferai plus tard » ou « on verra ça à un autre moment », on laisse un petit peu, un peu comme on laisserait la poussière s'accumuler sur un meuble. Voilà, donc on reste vigilant, on fait des petites actions quotidiennes pour prendre soin, pour continuer à prendre soin. Ici, c'est pas, on ne se repose pas forcément sur ses lauriers avec le 7 de Pentacle. Hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne fait plus rien. Simplement, on prend le temps de bien observer la marche à suivre pour la suite, mais on garde quand même cet état de vigilance pour être sûr de ne rien perdre et de faire les bons choix. Voilà. Alors, la carte, la magnifique carte, alors j'ai la lumière qui vient dessus, vous voyez ici on a le vernis sélectif, ce sont des cartes avec des illustrations où il y a du vernis sélectif sur certaines parties. Mais là comme j'ai la lumière qui tape directement dessus, vous n'allez peut-être pas très bien le voir. Voilà ce qu'on vous propose. Élévation céleste, crois en ta mission, élève ton regard et cherche toujours le sentier de la lumière. Tu accompliras alors de grandes choses. Si tu marches dans la lumière, tu seras soutenu. Ta vie t'apparaîtra sous un autre angle et tu comprendras alors que tu n'es jamais seul. On vous invite ici à tourner votre regard vers le positif. C'est un petit peu comme on vous invitait ici à faire en regardant vos réussites, en regardant ce que vous avez réussi à faire. En fait, vous tournez votre regard vers le positif, vers la lumière, vers la réussite, vers l'acceptation. L'apaisement également qu'on retrouve ici avec le rose bonbon. En fait, c'est vraiment cette idée de voir le verre à moitié plein et à force aussi de tourner votre état d'esprit de cette façon-là, vous allez marcher sur un chemin qui est bien plus lumineux, qui vous apparaîtra bien plus facile, qui sera aussi pour vous, vous allez vous faire confiance, vous allez apprendre à vous faire confiance et à aller automatiquement vers... ce qui vous parle, c'est comme un petit peu de réveiller son intuition, réveiller son instinct, où vous savez ce qui est bon pour vous, et vous allez naturellement y aller. Voilà, donc croire en soi, c'est aussi un acte de foi. Même dans les moments difficiles, on a cette idée d'acte de foi, de continuer à croire en soi, de continuer à croire qu'il existe
une partie lumineuse à chaque événement et d'essayer justement de la déceler également. On vous invite à faire cet acte de foi et à être sur ce chemin lumineux, à tourner votre regard vers cette lumière. Voilà, comme l'oiseau qui vole justement vers la lumière. Voilà les béliers pour votre tirage, je vous mets les références juste en dessous en barre d'infos, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Ça permettra en fait de compléter votre tirage pour le mois qui arrive. À très bientôt, bye bye !